Salut à toutes et à tous, c'est Sinos dans 59 et voici aujourd'hui pour la suite de mon let's play sur Senseiya Brave Soldier. Et cette fois-ci on est parti pour l'épisode 12 si je me gourre pas. Et on est parti pour le chapitre d'Hadès. Et donc premier chapitre, intro, maison du bélier nuit. Aphrodite contre Mew. Alors après la victoire des chevaliers d'or d'Athéna dans le combat qui les opposait à Posidon, le monde entier peut enfin renaître, connaître la paix. Mais tapis dans l'ombre, une terrible menace pointe déjà à l'horizon. Enfin le temps est venu. Cela fait 243 ans que je suis assis devant cette chute et que j'observe sans bouger et maintenant c'est terminé. Loin, très loin à l'ouest, se dresse une puissante tour scellée par Athéna pendant la dernière guerre sainte. Mais le sceau s'est affaibli au fil du temps. Bah putain, 243 ans, ça ferait chier d'être devant le truc. Et il est sur le point de se briser. Alors, les 108 spectres d'Hadès surgissent à nouveau des ténèbres avides de répandre la terreur sur le monde du dessous. Allez, classe image, avec tous les chevaliers d'Athéna. Mais tant qu'existeront Athéna et ses chevaliers, jamais Hadès ne triomphera. Une nouvelle guerre sainte va commencer. Mais j'aurais préféré une scène cinématique quand même. Alors, chevalier des profondeurs de la mort. Donc là, on va revoir les blaireaux qu'on a niqués au premier chapitre. Le sanctuaire est en état d'alerte quand une chose incroyable se produit. Les tombeaux des guerriers disparus commencent à se briser et les chevaliers sont attaqués par des ennemis fantomatiques. Au milieu du chaos, un homme vêtu d'une armure en piteux état apparaît devant le chevalier dormu. En piteux état? Ah bon. Alors, gardien de la première maison, première des 12 maisons, la maison du bélier. Réussir à franchir la sécurité renforcée du sanctuaire est arrivé jusqu'ici, c'est excellent. C'est exactement ce que le veut mettre douté. Arrête-toi là. Un pas de plus et tu perdras la vie. Tu as déjà oublié mon visage, mais regarde bien. Non, c'est impossible. Tu es à nouveau à mon service, mais il y a 12 heures. Tu as 12 heures pour me rapporter la tête d'Athéna. Je ne peux pas faire une telle chose, même si c'est un autre qui vient de vous. Imbécile, tu oses désobéir à ton maître. Mesures-tu la gravité de tes actes? Oui, Mew. Vous, masque de mort du cancer et Aphrodite des poissons, vos âmes n'ont pas trouvé la paix. Nous ne sommes pas des âmes. Nous avons reçu une nouvelle vie en jurant fidélité à l'empereur Hadès. Allez, Mew, ôte-toi de là. Nous n'avons plus rien à te dire. Nous allons prendre la tête d'Athéna nous-mêmes. Si tu refuses de nous laisser passer, je serai obligé d'employer la force. Ta fiole. Alors, vous ne me laissez pas le choix. Ta fiole du poisson et PD du cancer. Ouais, super. Les deux gros blaireaux des chevaliers d'or. Je vais déglinguer lui, ça grosse tafiole. Ma maison est éternelle. Je suis une tafiole dans mon armure noire. Ah, c'est pas ça que tu voulais dire? Oh merde, je croyais. Ah là, ça change un peu des cheveux de bronze à la con. Bon, j'ai dit ça tout à l'heure quand j'avais Saga, je crois. Saga Africa. Alors qu'est-ce qu'il fait comme beau pouvoir quand... Ok. T'as que ça dans le beat, sérieux? T'es rose de PD? Bon, je crois que je vais pas l'abréger, mais... Oh, bien vu, évitez mon... Ouais. Ok, un mur de cristal, c'est le bouton gros. Ok. Bon, tu fais une attaque de fleurs là? Que
je fais ça. Ah putain, mais c'est vraiment de la merde les attaques low, sérieux. Bon allez, je l'abrège. Imperfect, super. J'ai dit que c'était une tafiole. Il m'a touché. Comment t'as fait? En fait, ouais, ok. Ça s'appelle une attaque rafale. Oh putain, j'aurais bien fini. Bon alors, je croyais qu'il était coincé, mon copain. Bon, je vais quand même essayer de la mettre. Je vais essayer encore une fois. J'essaie une fois, si j'arrive pas, il va se faire foutre. Voilà. Bord d'une étoile. Ah non, c'est pas mal. Par contre, lui, c'était une grosse tafiole, ça. Comment je l'ai déglingué. Retourne dans le royaume des morts. Super de poisson, t'es nul à chier, sérieux. Bon, je vous ferai voir les attaques Big Bang et la grille des personnages dans une autre vidéo, hein, bien sûr. Quoi, j'essaie. Tu t'opposes à eux. C'est à moi que tu t'opposes. En t'opposant à eux, c'est à moi que tu t'opposes. Aphrodite, t'as prévenu. Je t'ordonne de t'écarter. Je suis le gardien de la maison du bélier. Vous ne passerez pas, même si je dois y laisser la vie. Puisque c'est ce que tu souhaites. Attendez. Là, c'est Ya. C'est Ya. Mu. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Non, masque de mort et Aphrodite. Serait-ce un rêve, Mu? Sont-ils des fantômes? Des fantômes, non. Ils ont ressuscité et sont désormais des spectres d'Hadès. Des spectres d'Hadès? Voilà, belle image qu'on a vue tout à l'heure. Hadès est l'ennemi juré d'Athéna. Pour mener cette nouvelle guerre sainte contre lui, Athéna et ses chevaliers ont été appelés dans le sanctuaire à ce point précis du temps. C'est pour cette raison que les chevaliers d'or n'ont jamais quitté le sanctuaire, même après la résurrection de Poséidon. Si c'est le devoir d'un chevalier, Mu, je combattrai à tes côtés. Ce ne sera pas nécessaire. Rentre chez toi. Quoi? Un chevalier de bronze tel que toi n'a rien à faire ici. Pas maintenant. Pars sur le champ où je te jure qu'au nom d'Athéna, je te frapperai de toute ma puissance. Mais tu es? Oui. C'est la volonté d'Athéna. Tu peux faire ça? Bronze, argent, or, nous sommes tous des chevaliers d'Athéna. Tu n'as pas compris, Mu. Va voir Saori, va voir Athéna et demande-lui toi-même. Arrête de jacasser, vous deux. Arrêtez de jacasser, vous deux. Vous êtes sur notre chemin et il est temps de vous faire vos adieux, petit chevalier à la manque. Je dirais que c'est plutôt toi. C'est plutôt à toi de disparaître, masque de mort, viens. Oh, je vais faire CR contre l'autre blaireau. T'es sérieux, toi? Attaque plus 20. S'il fait comme l'autre, l'abruti à fleur qui a rien touché, ça promet. Et joue en normal, je vous rappelle. Je joue en normal. Et j'ai pas encore perdu un combo. Super. Oh, je sais pas pourquoi j'ai fait la cour rafale là. Bien dessous. Bon. Pas la bite du Pégase. Tiens, mange mon rafale dans ta gueule. Pas dans le cul plutôt.
Allez, bon. C'est vraiment des tafios, ces bonhommes, ça. J'espère que Ramadantes et tout bazar vont être super puissants à niquer, parce que sinon... Alors que je joue en normal, ça me fait un peu chier. Après, c'est sûr que si je cherche à faire des gros pouvoirs et tout bazar, c'est sûr que là, je mets un peu plus de danger à... Putain, j'ai raté ma copette en plus. Voilà, c'est bon ça, petit rush, enfin, petit dash plutôt, on appelle ça bien le jargon. Ouais. Ah si, ah, ça va, ah, c'est sympa, super. T'es con que là j'ai plus de boules pour faire, de trucs pour faire une boule. Bon, je savais pas que les chevaliers volaient, mais bon. Bon, comme ça vous voyez un peu le... Vous voyez un peu tout ce qu'on peut faire en gameplay maintenant, vu que je maîtrise un peu mieux le jeu quand même. On voit quand même qu'on peut faire quand même pas mal de combos, mais il faut bien combiner avec les combos en l'air et à terre quoi. Bon ouais, ouais, ça, tu veux faire quoi ouais, sérieux. Pff, les deux tafios ils m'ont rien fait, sérieux. Bon, chapitre là, je crois que ce sera le plus long quand même. Tonnerre à sonner, masque de mort. Et hop, quoi, mais pourquoi m'as-tu attaqué? Allez hop. Je te l'ai dit, pars ou je serai dans l'obligation de te tuer. Ma vie de chevalier au service d'Athéna touche-t-elle à sa fin? Seiya, tonnerre a sonné, repose en paix. Attends, mais. Mort d'une étoile. Donc là, il fait ça pour l'éjecter, hein. Il ne tue pas. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le chapitre. Même sur PS2, c'est quand même mieux fait, hein, parce que au moins t'as la cinématique, quoi. Le corps de ça, il a disparu. Mais ton attaque, étoile du mort, est toujours aussi terrible. Mais tu ne me trompes. Tu ne peux tromper ma vigilance. Tu as. Où as-tu envoyé Pégase? Dans l'au-delà, bien sûr. Peu importe. Ce n'est qu'un vulgaire chevalier de bronze, après tout. Parce que demain, Aphrodite, allez-y. L'heure est venue. Allez en finir avec Athéna. Je n'ai pas été assez clair. J'ai fait le serment sacré de protéger la maison de Bélia au prix de ma vie. Je ne laisserai jamais passer des pantins ridicules tels que vous. Qu'est-ce que tu as osé dire? Ah, je vais pas me retaper lui, sérieux. Putain, là, ça se rallonge. Qu'on est ta fiole en plus, c'est sérieux. Je sais qu'on va pas faire beaucoup de combos là, mais sérieux. Faire des combos contre des blaireaux. En plus, je viens de le niquer avec Seiya, alors imagine pas avec lui, toi. Vas-y, je vais la voir, j'ai vu, sérieux, l'homme peut péter des coups. Tiens, mangeons la projection. Donc ouais, j'essaierai de vous faire aussi des parties en ligne quand j'aurai débloqué tous les personnages. Bon, comme je fais le... Comme je fais le let's play en suivant et que je garde mes vidéos un peu plus longtemps, parce que je vais pas tout vous mettre d'un coup, je prends de l'avance, hein, faut vraiment vouloir. Et j'ai toujours fait ça et ça me permet de respirer un peu de temps en temps. Moi comme ça j'ai mes vidéos en rab et ça m'aide grandement. On va faire mort d'une étoile. Donc comme ça, peut-être que vous aurez même la vidéo avant, des attaques spéciales et tout le bazar. Attaque spéciale, grille des persos. Au moins la grille des persos, je pense que vous pouvez déjà la voir sur le net. Même pas sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes ou sur... Je sais qu'il y a un bonhomme déjà en DLC, c'est Sion en armure d'or. J'ai vu ça sur le net. C'est normal, vous l'avez gratos quand vous précommandez le jeu, moi je l'ai pas, donc bah, c'est pas grave. En même temps, une doublure en chevalier de... En supplice ou en chevalier d'or, c'est le même. Ah merde, je tape à côté avec mon putain de pouvoir à la con. Yeah.
Sans forcer, super. Sans forcer, je l'avais dit. Retourne au royaume des morts. Yuppie. Non, je me rappelle même. Disparaît. Intrus venu de l'enfer. Étoile d'une. Mort d'une étoile. Quoi? Ah! Écoutez-moi, masque de Maraphrodite, vos corps ont été bannis dans l'au-delà pour l'éternité. En tant que chevalier d'or, menacer Athéna est le plus grand des crimes. Vous ne reviendrez jamais ici. Mu, tu es stupide, la disparition de ces deux avortons ne signifie rien. Tu n'as fait qu'aggraver les choses. Tu ne le comprendras pas. Quoi? Pour que vous poussiez en dire, vous ne devrez intervenir. J'abattrai les 108 spectres si tel est mon devoir. Je ne parle pas des 108 spectres. Masque de Mar et Aphrodite ne sont pas les seuls à convoiter la tête d'Athéna. Comment? Qui d'autre? Donc ça sera sûrement pour le prochain chapitre, voilà. Hop. Donc on va commencer par Shura. Moi je vais faire 3 fois mu, je pense. 3 ou 4 fois mu. Les traits tombent le masque. Mu a vaincu Masque de Mort et Aphrodite, revenu dans l'au-delà pour servir les noirs desseins d'Hadès. Le combat est loin d'être terminé, cependant, car deux nouveaux chevaliers du mal attaquent le chevalier d'or. Parce que les morts en ne sont pas les seuls à convoiter la tête d'Athéna. Quoique Hadès n'envoie d'autres sbires. Leurs cosmos ne me sont pas inconnus. Et c'est quand même moins des blaireaux. Saga comme Shura. Je ne vous ai jamais cru capable de vous laisser séduire par les mensonges d'Hadès. Comment osez-vous trahir Athéna? C'est exact. Écarte-toi, Mew. Ouais, c'est radical. Moi, ça passe direct au combat. Et j'espère qu'on va pas l'affronter 2-3 fois, ça serait con. Shura, surpris. Moi, je les aime pas, les armures là, elles sont vraiment moches. Ouais, t'es sérieux, toi. Il apprend à voler de tous ses ailes. Ah, j'étais trop loin là. Voilà, je l'avais pris et vas-y, Nictaras. Sérieux quoi. Tiens, tu as goûté ça. Round 2, fight!
On va dire enfin bref. Voilà. Ah mince. Ah je tue quand même. C'est bon. Tout ce que j'ai entrepris a été raté, c'est nul. Ah, hein, vous, vous ne passerez pas. Ah. Te fatigue pas avec Mu, Shura. Je vais m'occuper de lui. Camus, tu ne penses pas vraiment m'affronter? Ah bah je me fais les deux, peut-être qu'après ce sera sa gueule. Au prochain chapitre. J'espère, je vais pas me taper les trois. Ah putain. Ah c'est dégueulasse, je l'envoie avant quoi, vas-y. Oh. Oh putain, la projection c'est de la merde, sérieux. Ta projection est... Projection et la coup, le gros coup là, c'est vraiment des trucs de merde, l'attaque Big Bang, sérieux. Et là je suis pas dans son rayon, mais c'est pas grave, merci. Tiens, mon chat, c'est gratos. En même temps, on voit que les arènes elles sont vraiment minuscules, hein, sérieux. Bon, je vais passer derrière, je vais faire toucher. Donc, ça va bien. Putain, ma barre de cosmos elle monte pas, hein, sérieux. Oh, c'est honteux. Allez, casse-toi. Ton esprit meurt dans les larmes de sang. Moi j'ai pas rang S, ça c'est sûr. Oh ouais. J'ai joué comme une bite. Ah, pauvre de moi. Et ouais. Bah, c'est pas grave. Ouais, lui avec son rayon de tapette là, il est bien balèze. Ça suffit, Camio. Saga.
Mais il n'acceptera jamais sa défaite. Il est trop fier, laisse-moi l'enterrer rapidement. C'est la chose la plus clémente que l'on puisse faire. Saga, non, pas toi, pas toi. C'est impossible. Mais il pleure, le cœur de Sana pleure, il pleure. Celui de Camille de Chara aussi. Leurs âmes se lamentent et pleurent. Des larmes de sang, je le sens. Pourquoi font-ils ça? Et là, pas d'image. Mu, défends-toi. Assez, Saga. J'ai immobilisé Mu. Quoi? Je ne peux plus bouger. C'est moi qui porte le coup final. Vous, allez vous occuper d'Athéna, rappelez-vous. Nous n'avons que 12 heures devant nous. C'est compris? Oui. Nous y allons de ce pas. Non, Saga, attends. Donc voilà, donc on va attendre là. Donc là, c'est Chariot, ok, et là. Ah, ok. Donc on fera ce chapitre-là plus tard. Donc j'espère que ce 12e épisode de mon Let's Play sur Saint Seiya Brave Soldier sur la PS3 vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour de prochaines vidéos, bien sûr, sur ce jeu, puisque je fais le Let's Play, et sur d'autres. Salut!